Salutations à toi, qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Approche. Parlons bouffe. Je ne sais pas si tu as déjà mangé un sandwich grec, un kebab, mais c'est le cas pour beaucoup de gens tous les jours, à midi ou le soir. On dit grec, on dit kebab, mais à la base, la plupart de ceux qui le préparent et en font le commerce sont turcs. Et les sandwichs sont des donneurs, c'est une spécialité. Et c'est d'ailleurs le cas de Perwin. Son établissement de restauration rapide fait un véritable carton, tout le monde kiffe, notamment à cause d'une fameuse sauce spéciale dont il a le secret. Ça se passe dans une banlieue comme une autre, peut-être la tienne d'ailleurs, un endroit dont l'ambiance a été assombrie dernièrement par une disparition inexpliquée. Une disparition qui prend la tête à tout le monde parce qu'elle concerne un bon gars, un mec sérieux qui bossait dur et dont on n'a plus de nouvelles. Il était chauffeur-livreur pour les commerces de bouche et s'occupait entre autres de la sandwicherie de Perwin. Parmi les jeunes qui bouffent tous les jours là-bas, il y en a un qu'on appellera Chichid. C'est le petit frère du livreur qui a disparu. Chichid déprime particulièrement en ce moment car il pense beaucoup à son frère. Il fume pas mal, il a perdu ses objectifs sportifs, il se laisse aller dans tous les domaines et ne fait vraiment plus aucun effort pour rien. Il ne veut pas se prendre la tête, juste se la vider. Il traîne, il squatte le PMU, la place de la cité à côté de l'ancien terrain de pétanque, et ne mange que des sandwichs avec sauce spéciale, justement. Bien confit dans son ambiance de galérien, il a de plus en plus mal au bidon. Même si ça lui arrive souvent, il se dit que c'est à cause du souci, de son ulcère, trop de harissa depuis trop petit, trop de mauvais shit aussi, et ainsi de suite. Il n'est pas le seul à qui ça arrive dans le quartier. Régulièrement, chacun a droit à sa petite chiasse de temps en temps. Mais là, quand il regarde derrière lui aux toilettes, ay caramba, on dirait le blob. Du slime avec des graines de sésame prisonnières dans de la résine. Et l'odeur, ma frère, laisse tomber. Grand chien de la casse crevé derrière les épaves. Il pense qu'il doit sans doute damer trop de sandwichs, même s'il y a probablement autre chose parce que ça devient de plus en plus gore. Et par-dessus tout, il douille. Et avoir mal, c'est pas son truc. Pourtant, tout le monde mange chez Perwin. Mais aucun ne peut imaginer que ça vienne de là. C'est tellement bon et hyper propre de ouf chez lui. Sauf que cette fois, le torboyau dure et persiste. Chichid souffre vraiment du ventre, il se déshydrate et fait un malaise devant tout le monde en plein après-midi. C'est ce qui pousse ses potes à l'emmener de force au dispensaire pour l'aider à comprendre ce qui lui arrive. Sur place, ils lui font des prélèvements, des tas de trucs, une batterie de tests et tout, ne me demande pas quoi, et ils lui diagnostiquent une grave infection due à une bactérie rare. Une bactérie qu'on trouve manifestement nulle part ailleurs que dans la merde. Transféré au CHU, Chichid est placé en observation et malheureusement son cas s'aggrave vite. Il ne tarde pas à sombrer dans le coma. C'est dur et soudain. Tu m'étonnes que sa famille a pété les plombs, faut se mettre à leur place. Vu que le problème vient du ventre et compte tenu des habitudes alimentaires du jeune homme, la famille porte plainte contre le snack de Perwin. A partir de là, dans la cité, c'est l'effervescence. Tu sais que l'atmosphère est toujours prête à s'embraser rapidement, tout le monde est chaud et soutient maladroitement cette famille touchée par le sort en foutant un peu la merde. Il y a les pro-Perwin qui lui maintiennent une confiance basée sur leur expérience personnelle, ceux qui ont un réflexe plus communautaire et qui défendent leurs compatriotes, ceux qui sont devenus anti-Perwin à cause de Chichid, et ceux qui sont là juste pour engrainer et allumer des mèches, comme d'hab. La police prend donc toute cette histoire très au sérieux et se dépêche d'ouvrir une enquête pour apaiser les esprits et ce putain de brasier qui couvre. Ils vont vite convoquer Perwin, qui se montre imbuvable, d'une mauvaise foi monstre, et même agressif et moqueur envers les flics. Il refuse de répondre aux questions, devient nerveux, essaye de les embobiner et joue le malin, ce qui a le don d'agacer les enquêteurs, mais surtout de réveiller chez eux deux sentiments redoutables si on a quelque chose à se reprocher. La curiosité et le jusqu'au boutisme. Du coup, avec ses conneries, ce couillon de Perwin devient surtout un perlalouse et se mange une perquise en bonne et due forme. Chez lui, ce qui arrange les forces de l'ordre, c'est qu'il n'y a pas trop à chercher finalement. Il n'y a pas besoin de chercher, l'homme n'est pas si malin. On voit clairement qu'il a changé pas mal d'éléments de son restaurant dans la précipitation et même si effectivement c'est très propre, on remarque qu'un coup de Kleenex a intentionnellement et exagérément été mis il y a très peu de temps. Ça sent la mise en scène à plein zen. Toute la sandwicherie est retournée de fond en comble, les experts prélèvent des échantillons en vue de tout analyser en détail, tout est ouvert, tout est soulevé. Au sous-sol, la pièce des congélateurs intrigue les policiers. Elle n'est pas aussi nickel que le reste. C'est un peu encombré, il y a des cartons, du matériel de cuisine empilé dans un coin. Bon, ce n'est pas aux normes niveau électricité parce qu'il y a de la bricole partout et c'est fait n'importe comment, mais les flics, ils en ont vu d'autres. Non, ce qui est vraiment chelou, c'est ce petit vent qui circule dans cette pièce qui est a priori confinée. Il y a de l'air qui passe là.
C'est pas normal. Les deux fonctionnaires les plus costauds décident de tout bouger, frigo, congélo, et les autres merdouilles entreposées. Et là, derrière tout ce bordel, ils découvrent une sorte de trappe, comme deux gros vasistas mal calfeutrés par des chiffons gras et humides. Un homme peut passer à l'aise là-dedans. Et donc, ils y pénètrent. Sans savoir qu'ils pénètrent en réalité dans un véritable cauchemar éveillé. Dans ce réduit couleur bistre, c'est le palais du glauque. Il y a des cordes à linge sur lesquelles sont pendus de larges morceaux de viande, comme pour les faire faisander, des tupperwares contenant des boues rouges indéfinies, l'odeur est ignoble partout. Il y a une sorte de système d'aération artificielle qui suit un conduit descendant, pas efficace du tout. Le clou du spectacle, morbide, est un seau avec une tête humaine dedans, la tête d'un homme déjà bien attaqué par la putréfaction. Juste à côté, une bassine avec un demi-torse mutilé. Les flics ont les jambes qui flageolent et rebroussent chemin pour rappeler leurs collègues qu'ils constatent comme eux cette horreur absolue. Quelques heures plus tard, les résultats tombent. Les restes de cadavres retrouvés dans le sous-sol diabolique de Perwin sont ceux du frère de Chichin, le livreur disparu. Mais ce n'est pas fini. Dans l'horreur et le pervers, Perwin va se faire un nom parce qu'on découvre que sa fameuse sauce spéciale, qui faisait sa renommée et son succès, est en fait composée en grande partie de matière fécale. Eh oui, monsieur, dame, l'adobe. Apparemment, son mélange d'épices avec divers ingrédients a non seulement réussi à masquer le goût, mais même à créer quelque chose de plutôt agréable. C'est comme le molar du chef qui signe un plat, secret de cuistot. Perwin est donc serré et interrogé hardcore par la PJ. Il fait moins le caïd que la première fois et lors de l'interrogatoire, se sachant complètement grillé, il se met à jacter, librement. En fait, il craque. Ce type est un psycho, pas un voyou. Ça se voit tout de suite, dans l'œil. Il n'a pas l'habitude d'être secoué, et on le sent bien, donc il se balance tout seul, ça le soulage. Il avoue le meurtre du livreur, mais pas seulement. Il explique qu'il mangeait le corps, petit bout par petit bout, au fur et à mesure que la chair pourrissait, parce qu'il la digérait mieux, et qu'il chiait dans la préparation de la sauce spéciale pour se venger de toutes les petites humiliations qu'il a toujours subies dans ce quartier. Les jeunes qui ne le respectent pas, les crédits qu'on le force à accepter, le fait qu'on se foute de sa gueule à cause de son accent de blédard, ou encore les vannes sur le fait qu'il n'ait pas de femme. Ça durait depuis trop longtemps et sa fierté ne pouvait plus le supporter. Et sur le pourquoi aller si loin pour se venger, ses réponses sont devenues vraiment étranges et malsaines. Il déclare avoir mangé de la chair humaine qu'il expulsait par voie naturelle dans les plats qu'il servait à d'autres humains car rien ne vaut le goût de la viande d'homme rendue par un autre homme. Pour justifier son crime, il évoque aussi une hypothétique origine hittite, peuple antique dont il prétend descendre, qui se livrait à des rites cannibales lors des célébrations de victoires guerrières, où la barbaque humaine était consommée en morceaux de différentes façons. Perwin prétexte donc qu'il n'a pas pu réfréner ce besoin, cette espèce d'instinct, cette coutume ancienne qui viendrait du plus profond de ses gènes. Ces gènes qui réclament leur ration de bidoche arrachée dans la terreur. Et Chichid dans tout ça? Ben, Chichid toujours inconscient. Et ça vaut peut-être mieux comme ça. Ça vaut peut-être mieux qu'il le reste. Comment pourra-t-il vivre en sachant que son frère qu'il pleurait, qu'il cherchait partout, en fait, était déjà en lui, dans son ventre, et qu'il le mangeait jour après jour en ingurgitant le caca de celui qui l'a tué. Dommage.